Et il se passe toujours quelque chose. Et d'année en année, on découvre de nouvelles choses. Pour en parler, on est avec Annabelle Boyer. Bonjour. Bonjour. On est aussi avec Audrey Abraham. Bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes les deux référentes communication maternité. Oui, et à vos côtés, donc, Monsieur Desrousseaux, directeur de l'établissement. C'est vrai, hein, vous êtes constamment dans la recherche de nouveautés. Tout à fait. Je crois que c'est quelque chose qui qualifie cet établissement. C'est la recherche de l'innovation et surtout de la satisfaction des patientes qui passent pour leur prise en charge chez nous. Alors, la nouveauté dont on va parler tout de suite, c'est Maternity Team. Oui, c'est et cela, on a presque oui. toute la team en face de nous. Vous êtes trois, hein, je crois. On est deux. On est toutes les deux. Donc représentées à 100%. Deux et demi, oui, c'est vrai que... D'un autre côté, bon, on ne voit pas bien. Si, on le voit à l'écran. Vous profitez de tous les conseils. Vous avez de la chance. Tout à fait, oui. C'est assez privilégié. Toutes les informations. comment est venue l'idée de marque Maternity Team, autant pour moi. Maternity Team, l'idée est venue comment? Alors, en fait, à l'origine, il y a eu une étude qui a été faite auprès d'un échantillon de 1000 futures et jeunes mamans pour connaître un peu leurs besoins, leurs attentes, leurs satisfactions sur leur suivi de grossesse, sur leur séjour à la maternité. Et donc, du coup, la conclusion un peu générale qui en ressortait, c'était que la grossesse était un événement très heureux, mais que ça pouvait également susciter des petites angoisses, des petits doutes, être sûr de ne rien oublier, donc savoir qui contacter, à quel moment, voilà, enfin quand s'inscrire à la maternité, ça peut être aussi une question qui nous est souvent posée. Donc l'idée de Maternity Team, c'est d'avoir une ou deux référentes uniques en ce qui nous concerne, pour pouvoir répondre à ces questions, informer et rassurer les futurs parents. Alors votre rôle, c'est de faire le lien, c'est d'être le duo au service d'eux. Exactement, c'est ça. C'est ça, et surtout faciliter l'accès à la communication, en fait, en ayant deux interlocutrices uniques, et également faciliter le contact avec l'ensemble des professionnels qui vont intervenir sur le parcours de grossesse, en fait, que ce soit les gynécologues, les addictologues, psychologues, anesthésistes, sages-femmes. Voilà, c'est vraiment faciliter cet accès-là et rassurer au maximum les futurs parents. Guide pendant le parcours de grossesse. Tout à fait, c'est voilà. Ça. Quelle est la première qualité qu'il faut avoir? Je m'adresse à toutes les deux. Hein. Oui. Disponible? La disponibilité, oui. Disponible, souriante, j'ai l'impression que vous êtes souriante toutes les deux. Mais, voilà. Mais c'est l'idée, oui. C'est dans l'ADN. Évidemment, oui. Le but est de rassurer les parents, donc effectivement, ouais. Le sourire est important. Être à l'écoute, je pense. Et disponible, oui, on est disponible à la fois par mail via notre adresse mail, par téléphone. Et également sur place, puisqu'on propose des rendez-vous personnalisés aux futurs parents ou futures mamans en répondant à leurs questions et en proposant éventuellement une petite visite de la maternité et du parcours du jour J lorsque la maman va venir accoucher. Et vous proposez aussi des animations. Il y a de cela quelques semaines, on s'est intéressé à la nutrition, c'est ça? Alors il y a même une semaine, c'était samedi dernier. Donc c'était la première édition de l'atelier L'éveil des papilles qui a accueilli une cinquantaine de participants, donc c'était un beau succès. Il y avait de nombreux intervenants également, donc cet atelier s'est fait un peu sous l'impulsion du docteur Otmar Kik, qui est praticien à la Polyclinique de l'Atlantique et féru de cuisine. Et donc du coup, il faisait partie des intervenants, comme également une nutritionniste, un maraîcher. Un chef. Et un chef étoilé du restaurant L'Atlantide, effectivement. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé durant cette journée? Vous leur avez appris à bien se nourrir? Ou uniquement à s'occuper de leur enfant? Alors, c'était général, en fait. C'était assez complet comme atelier, puisqu'il y avait la nutritionniste qui était là, effectivement, pour apporter des informations sur la diversification alimentaire. Et donc des petites anecdotes aussi, enfin, c'était très très vivant. Et puis il y avait en parallèle monsieur Guéot qui nous a fait part de préparations culinaires exceptionnelles. Alors il y a donc ces ateliers qui sont prévus, mais aussi un autre dispositif, c'est la newsletter mensuelle, c'est ça? Alors oui, la newsletter, en fait, ça fait partie un peu des actions du service Maternity Team. Ouais. Donc toujours dans cette idée de faciliter l'information pour les futures mamans. Et donc, en fait, les futures mamans qui s'inscrivent à la maternité reçoivent plusieurs mails d'information, le tout premier étant surtout pour confirmer l'inscription à la maternité, et puis par la suite pour donner des informations sur la maternité jusqu'au retour à la maison. Alors, quelles sont les questions qui vous sont le plus fréquemment posées
histoire que bon, on y réponde tout de suite. Le plus souvent, c'est effectivement des questions sur la maternité de façon générale, sur l'inscription, comment je dois m'inscrire, à quel moment, où, comment ça se passe. Et puis toujours les interlocuteurs, qui est-ce que je vais devoir rencontrer, à quel moment, comment ça va se passer. C'est essentiellement ces trois thèmes-là, essentiellement des mamans primipares qui ont leur premier enfant en fait. Dernière question, combien ça coûte ? C'est gratuit, bien évidemment. Rassure. C'est un accompagnement qui est gratuit et qui est complémentaire d'accompagnements qui se font déjà à la maternité de la polyclinique, puisqu'il y a un entretien individuel de début de grossesse qui peut se faire. Il y a des consultations qui sont gratuites également avec psychologue ou une infirmière addictologue. Donc c'est complémentaire de cet accompagnement qui existe déjà et c'est gratuit. On nous le propose dès qu'on arrive ici à la maternité ? C'est proposé par les médecins ? Alors, oui, il y a un relais qui se fait bien évidemment par les médecins. Il y a également de l'information qui se retrouve sur le site internet de la maternité. Donc pour nous contacter, et d'ailleurs ça passe assez souvent par là, c'est des personnes qui se renseignent sur le site internet de la maternité, qui trouvent nos coordonnées et qui nous contactent du coup par mail ou par téléphone. Et voilà. Et après, il y a de la communication en interne, des petits flyers avec nos coordonnées voilà, qui permettent de nous contacter. Je suis bien content d'avoir reçu les drôles de dames de Marthe de ce nouveau service Maternity. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Et c'est pour quand ? Fin janvier. D'accord. Un garçon, une fille ? C'est un secret. Ah, t'as un secret. Oui, vous avez raison, c'est pas là qu'il faut le donner. Okay. Monsieur Desrousseau, on parle des nouveautés. Ne partez pas, il y aura peut-être des questions du public tout à l'heure. Moi, vous êtes parti, c'est pas grave, on verra. C'est pas grave du tout. Qu'est-ce que le RAC dans les nouveautés, dans les dispositifs de nouveautés ? Je lis qu'il y a le RAC et le projet PACTE. On commence par le RAC, RAC. Alors, c'est vrai qu'on a déjà vu beaucoup de nos nouveautés, dont le service maternity qui traite de la coordination hein, sur l'aspect non médical, on va dire. Et ensuite, la RAC et le PACTE auquel vous faites référence sont plus sur un volet, pour le coup, des prises en charge médicales. D'accord. Donc le PACTE, c'est un programme d'amélioration continue en fait, du travail en équipe. Et c'est vrai qu'on voit bien, il y a beaucoup d'intervenants qui rentrent dans cette prise en charge. Et donc, c'est tout simplement la possibilité de travailler à ce que chacun fonctionne beaucoup mieux en interaction avec l'ensemble. D'accord. Pour ce qui concerne... C'est un contrôle qualité ? Quelque part, oui, bien sûr, ça répond à on va dire, une norme et donc la possibilité de pouvoir répondre à ces normes et d'afficher un niveau de qualité des prises en charge. C'est un dispositif national Alors là, c'est aujourd'hui une phase pilote. Donc c'était un appel à candidature qui a été fait par la Haute Autorité de Santé, auquel donc la Polyclinique a répondu. Et nous avons eu la chance de pouvoir être retenus. Donc nous allons entamer cette démarche. D'accord. Et RAC, le RAC ou la RAC, réhabilitation améliorée après césarienne. Alors la RAC, c'est effectivement la réhabilitation améliorée après césarienne. L'objectif, c'est simple, c'est de permettre aux mamans de pouvoir récupérer le plus tôt possible après leur césarienne et donc, de fait, de pouvoir profiter au mieux de la relation mère-enfant. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. On va revenir à notre fil rouge. Venez me rejoindre, docteur Guinebretière. Le fil rouge, depuis trois ans, quatrième édition, on parle à chaque fois du don de sang de cordon qui se réalise ici. On peut le requalifier ? On peut en parler en quelques mots ? Qu'est-ce que le don de sang de cordon ? Le don de sang de cordon, c'est le fait de prélever du sang au cordon ombilical après l'accouchement, après que le cordon ait été coupé du côté du bébé. Et lorsque le cordon pend encore depuis le placenta qui n'est pas encore délivré vers l'extérieur, c'est le fait de ponctionner ce sang dans la veine ombilicale, de le récupérer dans une poche et ensuite donc de le stocker et de l'envoyer à l'établissement français du sang avec lequel nous travaillons. Ça se fait depuis quand ? 2012. D'accord. Et pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que dans certaines maladies du sang, il y a des greffes qui sont nécessaires et parfois les donneurs sont incompatibles, les greffes de moelle osseuse ne sont pas possibles. On a découvert que grâce aux cellules souches très nombreuses dans le sang fœtal, on pouvait greffer, ça pouvait se substituer aux greffes de moelle osseuse. Donc on utilise ces dons de sang dans ce cadre-là. Il faut à peu près 2 à 3 dons de sang pour une greffe. On a des exemples d'applications ? Le sang qui a été prélevé ici à la maternité, on sait ce qu'il est devenu ? On sait ce qu'il devient ? Alors on sait qu'on a eu une dizaine, nous, de dons qui a été cédé. On sait que, par exemple, l'an dernier, en France, il y a eu 108 dons, pas seulement les nôtres, hein, donc qui ont été utilisés.
dont 40 de l'EFS de Bordeaux, donc établissement français du sang avec lequel nous travaillons depuis 2014. Ouais, si je me souviens bien, en plus, il y a une obligation, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un don est utilisé, on prévient les parents, je ne me trompe pas, hein, c'est ce qu'on avait dit dans les toutes premières émissions. Il y a toujours un retour, on sait ce qu'est devenu le sang. Ce qui est important, c'est ça, c'est qu'il y a un retour. C'est un don altruiste qui n'est pas utilisable forcément par la personne qui a donné, mais en tout cas, il y a un retour et les gens sont informés quand le don a été utilisé. D'accord. Ça se passe comment ici? On voit quelqu'un de particulier? On voit les sages-femmes, on a plusieurs sages-femmes qui travaillent 100% de leur temps à accueillir les futures mamans qui veulent donner leur sang, qui sont vues en consultation, sur des consultations assez longues, qui sont gratuites, qui durent une demi-heure, et voilà, qui sont faites ici à la maternité. Quand on dit donner leur sang, c'est donner le sang de leur cordon. Hein. Le sang du cordon, évidemment, le sang du cordon. Pas le sang des mamans. Okay. Vous êtes combien d'établissements à pratiquer ça? Vous savez un peu? Je ne saurais pas dire sur le territoire national, mais en tout cas, on est très très peu. Dans l'Ouest, nous sommes le seul. Je crois qu'on est plus de 4. On devait être 7 ou 8 et ça a diminué puisque le nombre d'établissements français du sang qui est habilité à le faire a diminué également puisqu'on travaillait avec Rennes avant qui n'est plus habilité à le faire pour des raisons financières, des raisons de qualité. Et maintenant, on travaille avec Bordeaux. Donc si on a envie d'être généreuse et généreux, parce que c'est une décision qui se prend à deux aussi, il ne faut surtout pas hésiter à en parler. En tous les cas, la communication passe dans l'autre sens aussi. Hein. Parlez-en à votre obstétricien lorsque vous venez en consultation. D'accord. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Juste de rajouter peut-être que c'est une vraie chance. Hein. On voit bien que notre communauté médicale et les équipes sont moteurs dans le développement de cette polyclinique et contribuent à apporter de nouvelles choses. Et entre autres, le don de sang de cordon a été à l'initiative de ces professionnels de santé qui se sont investis pour permettre que l'on prenne en charge ça au sein de la structure. Merci. On va se retrouver l'année prochaine. C'est déjà fini, c'est fou, c'est déjà passé. Mais je l'espère bien évidemment, parce que c'est toujours un plaisir hein, d'avoir ce rendez-vous avec les internautes. Donc déjà, j'espère qu'ils auront apprécié et le temps passé avec nous et qu'ils auront eu des réponses à des questions qu'ils se posaient. On va peut-être demander à Lorraine. Ça va, tout le monde a été content, vous avez de bons résultats? Tout le monde a l'air ravi. En revanche, je n'ai pas de questions, mais j'ai un petit commentaire de Léa. Qui dit « J'ai accouché récemment à la polyclinique de l'Atlantique et franchement, c'était vraiment top. » D'accord, on n'a pas eu de demande en mariage pour vous? Non, bah non, Julien, okay. Quand même. Restons sérieux. Je suis un peu déçu, normalement, enfin bref, restons sérieux. Oui. Merci beaucoup en tous les cas pour ce retour. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à toutes les équipes qui sont mobilisées durant ces quelques jours de préparation. Merci à tous les médecins, merci à vous, merci à tout votre personnel. Et on va bientôt se donner rendez-vous, même tout de suite, à l'année prochaine. Merci, au revoir. Bonne journée à l'année prochaine. We'll be right back.